Je suis né précisément le 27 avril 1728, à 4h15 de la matinée. Vous aviez un sérieux penchant pour la contestation. J'ai toujours défendu de justes causes, citoyennes. Nos sociétés, qui se prétendent civilisées, ne se sont constituées, selon moi, que pour l'avantage du plus grand nombre. À cette époque, j'écris mon discours contre les servitudes publiques, qui mettra 2 ans avant d'être publié, après les pires difficultés avec la censure royale. Il est contraire à l'ordre naturel qu'un individu dispose de biens de jouissance supérieurs à sa capacité de jouir. Je me souviens comment le peuple de Paris a réduit à néant cette sombre forteresse, pierre par pierre. Vous savez, citoyenne, en politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des alliés de circonstances, en fonction des objectifs que l'on poursuit et surtout des adversaires que l'on combat. Vous allez avoir l'honneur de présider le transfert au Panthéon des cendres de Jean-Jacques Rousseau. J'imagine que ça devait être quelque chose. Ce fut une cérémonie grandiose que je considère comme le couronnement de ma carrière publique. Vous devinerez l'atmosphère étrange qui régnait lors de nos débats enflammés. J'imagine l'ambiance. Je ne suis pas sûr d'avoir été bien compris. J'ai été arrêté le matin même où je remettais mon manuscrit chez l'imprimeur. En même temps que Babeuf, tiens, lui aussi critiquait le pouvoir. Je vais être interné à la prison de la Force, où je vais y séjourner 9 mois. Que voulez-vous ? Il n'est point de pouvoir qui n'ait le pouvoir d'abuser de son pouvoir. Le pouvoir rend idiot. Alors le pouvoir absolu, absolument idiot. Regardez Napoléon. J'avais confectionné un système qui collectait séparément les urines et selles. L'institution du mariage emprisonne l'homme comme la femme en les enchaînant dans des contraintes imposées, alors que la femme doit pouvoir rester libre et vivre d'une manière aussi indépendante que l'homme. Être libre, créatif, et j'ai oublié le troisième, mais ça peut être... Amoureux? Ben oui, amoureux.